Vous êtes arrivé donc cette saison, vous arrivez des pommes Non, vendanges. Vendanges, okay, ouais. En Alsace. Pommes, en Alsace. Ouais. Vous êtes arrivé comme ça un peu au hasard. Bah, on savait qu'il y avait saison ici de la Pérorade, de Kivik qui démarrait. Ouais, on avait déjà donné notre numéro avant, on avait des autres amis qui travaillaient là-bas. Et voilà, et à l'arrivée en fait, l'information vous avez pu la trouver par rapport aux emplois, quelque chose, non, il n'y a rien. Non, il faut appeler, il faut venir directement voir les producteurs. Nous, on a eu que du bouche à oreille. On a trouvé 4 postes, mais c'est parce qu'on connaît quelqu'un. Ah, et c'était après une semaine presque. C'était après une semaine. Ouais, parce qu'on a fait tout le tour de tous les vergers, tout sur ça. Sur Pôle emploi, il n'y a pas de. Non, c'est pas le Il n'y a aucune annonce en fait. C'est que les gens qui connaissent. Quoi. Donc, nous, on a appelé beaucoup de gens, pas que les Kiwis. Ouais. Hein. De Bourgogne, et à chaque fois. Ils disent qu'on est trop loin ou machin, enfin ils trouvent un peu. Là en gros, il y a une trentaine de personnes ici arrivées pour l'instant, qui sont en centre de boulot. Peut-être même plus. Là, ici dans ce coin, là, ici. Ah, ici, ici. Ah, juste ici. Juste ce campement, il y en avait une trentaine. Ouais. Mais il y a un autre campement qui est plus grand. Ouais. Et d'autres répartis à droite à gauche. Avec des gens qui ont des adresses en fait, du travail et d'autres pas. Ouais, mais je pense qu'il y a plus de gens qui ont fait de travail que. Cette année, ouais, surtout. C'est vraiment nombreux. Et là, vous me disiez en fait, vous êtes fait virer parce que vous avez essayé d'occuper un lieu pour vous mettre à l'abri. On a essayé, ouais, on avait une maison abandonnée. On a essayé tout moisi, enfin, voilà, tout délabré quoi. On a juste eu le temps de commencer à nettoyer un peu. La police est arrivée. Ouais, on a rien cassé. Ouais. Et sinon, votre réaction vous, par rapport à, au truc du magasin, l'interdit aux Espagnols, est-ce que vous pensez ça, ça, c'est fasciste, ça. Ça, c'est juste fasciste. Moi, je m'en fous, mais c'est fasciste. Non, c'est pas normal actually, du tout, ça. Après, je peux comprendre qu'ils soient énervés, qu'ils aient eu des vents, je sais pas quoi, mais ils ont pas à faire une discrimination sur l'entièreté des saisonniers. Ça, c'est très français, ça. You have me to say gypsy. Fucking Babylon! Spanish and the Czech! Parce que voilà, en fait, ici, il y a des Tchèques, Espagnols, Portugais, Italiens, Italiens. Trois Français. Trois Français, quand même. Espagnol. Oui, il y en a. S'ils ont dit ça à cause des vols, je suis sûr qu'il a des Français, on va dire, qui vont aussi, ils vont mettre dans les magasins, il est interdit en France. C'est pas culturel à l'Espagne de voler des trucs dans les magasins. C'est pas spécialement les saisonniers aussi, hein. C'est pas une tradition ou quoi que ce soit. Bah, coup de On accueille la saison des kiwis à Pérorade pour vous. Bah, il est néant, quoi. Il n'y a pas d'accueil, c'est à nous de faire les choses. Il n'y a pas de structure mise en place, la mairie n'est pas venue vous parler, la gendarmerie s'est arrêtée parce que. Voilà, mais il va pleuvoir, la rivière, elle va monter. Ils n'en ont pas. On n'est pas pendant l'été, hein. Pendant l'été, on se débrouille, c'est plus facile maintenant. En hiver, ouais, on a besoin d'un coup de main. Le 4 octobre 1940, la police française et la gendarmerie française, ils sont venus nous arrêter.
Et mon père, il avait le carnet forain qu'il n'aurait jamais pas dû nous arrêter. Et en plus, ils nous ont arrêtés sur un terrain privé. Il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Parce qu'on prend les gens pire que les bêtes. Bon, c'est bien les gens du voyage, que les Roms, que si, les clochards même. Ils les prennent pour des moins que rien. Alors qu'il y a un peu de pitié pour ces personnes-là. Il y a de la discrimination, il y a du racisme, et voilà. Qu'ils aient leur place comme tout le monde où qu'ils arrivent. Mais il ne faut pas abuser, bon, parce que s'ils sont morts chez eux, c'est qu'ils sont malheureux. Hein? Alors qu'ils les acceptent. Mais c'est européen. Ils font partie de l'Europe. Leur place, elle est là avec. C'est européen, bon, à quoi ça sert alors? Hein? Je me suis évadé le 15 juin. T'as où t'as, ben, ouais. Le 17, j'étais dans la résistance. Enfin, j'ai resté jusqu'à. Puis après, je me suis engagé dans l'armée régulière et jusqu'à la capitulation des Bouches. Voilà, et puis je suis encore là. Je suis en train de lutter pour les générations qui viennent. C'est pour eux qu'on fait, là. Aussi bien monsieur, là, que monsieur. C'est pour ceux qui viennent. Nous, on l'a vécu maintenant, hein. Mais si personne s'en occupe, qu'est-ce qu'ils vont venir, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont venir, ces enfants-là?